T'es là? Ah bah oui, t'es là. Coucou, bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau télépêche. Chez Deconinck, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et c'est un télépêche spécial carnassier. Hein, déjà, sur le site, vous avez la rubrique promotion. Vous retrouvez tous les articles en promo pour le carnassier. Et je vais vous présenter quelques articles de cette rubrique. Quand on a commencé le télépêche, on avait 800 abonnés. Aujourd'hui, on est à 4960, un an après. Merci, hein, merci de nous suivre et de tous les commentaires sympas que vous pouvez mettre. Et n'oubliez pas que quand on atteindra les 5000 abonnés, eh ben, on fera vraiment quelque chose de très spécial pendant quelques jours. Donc parlez-en à vos amis, dites qu'on parle de pêche toutes les semaines, surtout de produits pour la pêche, et j'espère que la semaine prochaine on aura dépassé les 5000 abonnés pour vous faire une top annonce. Alors, cette semaine, au menu, on retrouve une petite canne de chez Westin, pour la perche essentiellement, perche, truite. C'est une canne en 2,13 m, puissance 2,10 g, magnifique, très très bien fini, j'adore les anneaux, très légère, très tactile, une très très bonne résonance, et vous avez un prix spécial télépêche. Alors, deux affaires à ne pas manquer, parce qu'il ne nous en reste plus beaucoup, chez Okuma, une canne carbone très légère, anneaux SIC en deux brins. Là, c'est vraiment multipêche, hein, parce que c'est une 2,28 m pour 12,35 g. Donc ça, c'est très bien pour pêcher la perche, le sandre, le brochet, le bar aussi, en mer. Une canne carnassier multi-usage, très sympa, légère. Et surtout, le prix, ça vaut vraiment le coup. Toujours chez Okuma, une canne un petit peu plus puissante, en 2,13 m, 7 pieds, plus rigide. Une canne carbone et également en deux brins. Hein. Porte-moulinet à vis. Là, c'est pareil. Hein. C'est une canne pour la perche, le sandre, le brochet, le bar. Une canne plus rigide. Et là, c'est pareil. Il nous en reste 7 ou 8, je crois. Et vous avez vraiment un prix très, très sympa. Spécial télépêche. Voilà. Après, une canne un peu plus street fishing. Un peu plus rigide, même si la puissance annoncée est de 2 à 7 grammes. Je pense que vous pouvez aller largement jusqu'à 20 grammes. Et chez Sakura, une canne en... C'est une, oui, 2,44. Chez Sakura, marquée 2 à 7 grammes, mais quand même, elle est puissante. Pour la perche aussi, perche, sandre, brochet et le bar en finesse. Et canne de brin, porte-moulinet à vis, anneau SIC. Et le prix est vraiment aussi très sympa, spécial télépêche. Profitez-en, on n'en a pas énormément. Voilà, le carnassier ouvre le 29 avril en France. Donc, c'est le moment de préparer votre ouverture. Pour préparer tout ça, vous avez chez Gunky une boîte qu'on dira boîte à leurre souple ou boîte à leurre multi-usage, leurre souple, leurre dure. Vous pouvez régler les séparations, là c'est fixe. Gauthier vous met les dimensions et vous avez un prix spécial télépêche. Ça vaut vraiment le coup. Toujours chez Gunky, une boîte à leurre dure ou leurre souple, hein, mais par contre là vous pouvez pas agencer les compartiments. Les compartiments sont faits, hein, c'est vraiment conçu pour recevoir des leurres dures. C'est une boîte double face. Hein, vous pouvez quand même mettre 2, 4, 6, 12, voire 12 ou 15 leurres, hein, parce que vous avez encore un compartiment ici. Gauthier vous met les dimensions, et là vous avez un prix, hein, juste pour cette semaine, vraiment très sympa. Hop, chez Mitchell, un moulinet très sympa, le 308, un moulinet 6 roulements à billes, 68 autour de manivelle, 239 grammes, donc très léger, très parfait pour accompagner ses cannes. Et en capacité, il prend 120 mètres de 35 centièmes. Voilà, très très bon moulinet. Il a un ratio de 5-1. Très souple, très agréable. Et un bon petit frein.
Pareil, un moulinet pour la perche, le sande, la truite. Le bar, il est un peu petit. Hein. Perche, sande, truite, essentiellement les carnassiers en eau douce et brochés, bien sûr. Mon chouchou, le Katana C3000 de chez Shimano. Ça tourne tout seul. C'est vraiment parfait, anti-retour infini, un enroulement du fil très régulier. C'est un moulinet qui pèse 265 grammes, 4 roulements à billes, 73 autour de manivelle. Il a un ratio de 5.01. Donc vraiment très agréable. Puis il n'est pas lourd, 260 grammes pour accompagner le cible de canne. Vraiment très sympa. Gauthier vous met la fiche technique pour le 308 aussi. Il vous a mis la fiche technique et vous avez un prix vraiment spécial Télépêche. On va aller rejoindre mon ami, notre ami Philippe, hein, le concepteur de nos bouillettes à pas. Et là, ça y est, on a enfin reçu les bidons. On va vous proposer un prix vraiment spécial sur notre huile de saumon supérieure. Ça y est, les bidons de 5 litres sont arrivés. Alors, pour cette semaine, Philippe, il déteste être derrière la caméra, Philippe est en train de produire. Voilà, Gauthier va vous faire une belle étiquette. On va vous mettre la fiche technique. Et là, l'huile de saumon, cette semaine, je vous la propose à un prix vraiment exceptionnel en 5 litres. Et on va faire de même pour l'huile de chènevis, où on vous la propose à un prix vraiment exceptionnel en 5 litres. Voilà, c'est notre huile de chènevis bio. Le métier de Conac, c'est de vous proposer les meilleurs produits au meilleur prix. Et d'ailleurs, cet après-midi, j'ai encore rendez-vous avec un producteur pour vous proposer quelque chose. Si ça marche, ça va être très sympa. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de parler de nous à vos amis pour qu'ils s'abonnent. Ça sera vraiment sympa que la semaine prochaine, on dépasse les 5000 abonnés. Ciao !